Et c'est le Tarn-et-Garonne qui donne le coup d'envoi de cette partie avec donc Alexia Larocque. C'est pas loin du tout, hein, manifestement. Ouais. Allez. Ouais. Là, c'est haut, il y a un peu de pente. Hein? C'est par là. Mm. C'est pas loin, mais on va pas tirer tout de suite. Océane Martin, au point. Ah putain. Crocheté. Oh bah là. Elle est bien crocheté. Elle a fusé. Elle a failli le gagner. Bien joli crochet. Elle a gagné, je pense. Je suis partie à la meilleure. Allez, première intervention du corps arbitral. Monsieur le boss, Madame Vidal. Aux manettes. 48 cm, 7 cm. 50 cm. Le point. Allez. Elle a pris. Allez, mets ça. Elle a pris. Allez, pousse la boule. Océane Martin, donc on vous parlait d'artificier de chaque côté. Bon voilà, Mason Durk. Hop, ça c'est fait, c'est cadré. Allez, c'est joué celle-là encore. Allez aussi. Allez, doucement, attention, parce que la première elle était un peu crochetée, donc il faut évacuer un peu cette pression qui est sur bien joué, qui est sûrement due à. Bien, c'est bien, bravo. Au fait qu'elle a peut-être pas trop l'habitude de jouer de la les caméras. Ça c'est un joli bamboule comme vous les avez. Ça c'est une bonne idée jusque là. Le courte. Ouais. Le New York, les choses en main. On a chopé la sienne seule, ça c'est pas facile à faire. Ouais. Ouais, on sait qu'il peut faire des choses improbables. Reste 4 boules à 2. Je pointe face à ma boule. Ah putain. Non. Avec ça, faut pas être court. Ouais. Mais vas-y. Ouais. Alexia Larocque. En son temps, la bonne idée, ce serait de. Je sais pas comment tu peux faire des trucs comme ça. Ouais. Ah, ça y est. Ne bouge pas trop, j'ai des bouchons. Les encouragements à la maison bio. Tu tires sinon. Ta boule, t'as ta boule, tu le gagnes au point, tu fais jouer. Mm-hmm. Allez. Alexia Larocque, écoutez, les bras, les. Oh, il a retiré mes sommes là, waouh! On arrive à faire n'importe quoi sur la première main déjà, c'est. Ah, mais il n'est pas obligé de tirer c'est la incroyable. Dernière hein, quand même, il peut essayer aussi lui de la mettre une dans le jeu et de rentrer par deux. Voilà, Frédéric Caz, il faut tirer 4 boules en main, il faut tirer à 5 boules avant qu'il arrive à malheur. Si on ne part pas, tu ouais. Peux faire 3 ou 4. Ok. Hein? Ouais, je suis d'accord. Okay. À tirer, il faut tirer maintenant, non? Ouais. Oui. Ok. Il a raison. Allez, bah tire bien. Ah mon cœur. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que. C'est vrai. Que... Allez, continue je sais toi. C'est pas d'après ce que me disait le grand Clément Ménédi. Il y a un lien. Le grand Clément Ménédi. Il me disait que Frédéric Caz, il avait peur qu'on se moque de lui parce que.
Bien, voilà, bravo. Bien tiré, comme ça, il n'y a plus de soucis. Ça, j'ai un peu de place. Ben, déjà, j'aurai plus. Parce que manifestement, ça, sa petite chérie, elle lui dit toujours, allez mon cœur. C'est d'en rajouter un encore. Allez. Ça a l'air de marcher, parce qu'ils sont en demi-finale. Oui. Ils ont pour un groupe. Ils ont bien fonctionné. C'est un mort. Donc, c'est fait. Bien joué. Ouais. Ça fait deux. Allez, c'est bien maintenant. Les casés qu'on avait vu à l'occasion d'un trophée des villes à Valence. D'Agen, je crois. Je sais qu'il avait, alors il jouait avec le couple éternel du Gers, de l'homme Benoni, c'est lui le bombardier en chef maintenant de cette équipe. Je crois qu'ils avaient perdu en quart, un truc comme ça, et au tir de précision, il avait perdu en finale. Allez, celle-là encore. Donc on a déjà eu l'occasion de le voir évoluer, voilà, sa canarde. Ça pointe bien aussi, puisqu'il vient d'ajouter. Mmh. Là, ça devrait faire, avec le départ qu'il y a là, quand même, ça devrait faire 4. Hein. Et voilà, bravo. C'est fait. Bien joué. C'est fait 4. Voilà une première main rondement menée par les représentants du Gers, Océane Martin, Frédéric Caz, Alexis Alaroc, les Saumur, qui sont passés un petit peu à côté de cette première main. Allez. Hein, voilà. 4-0 pour Frédéric Caz et sa compagne Océane Martin. C'est un peu loin. On va attendre un peu. Temps. Un jeu de distance apparemment. Ouais, ben. Allez, faut la forcer un petit peu plus, peut-être. Et... C'est bien tombé, surtout. Ouais, c'est de trouver une petite donnée, là. Allez, aussi encore. Ils ont tout résumé. Bien tombé au départ. Je vais essayer de trouver un endroit plat, de préférence, avec un peu plus de sable. Comme ça, la boule tombe bien. Et voilà, elle est bien tombée, bien roulée. Bien aussi, bravo. Tactiquement, c'était parfait. Et techniquement, ça allait aussi. Ça chatouille, mais c'est mal. Bien joué. Une boule comme ça. Oh. Bien tiré, ma foi. Ça, c'est des choux à la crème. Hein. Il a fait passer par-dessus la rambarde là-bas. Allez. Tu peux le faire tirer encore. Ah, allez, c'est... Bon, allez. C'est une bonne idée. C'est la meilleure des idées. Débarbouiller mes seniors. Voilà. Après, opération. Voilà mieux. La majorité des équipes, c'est un peu ça. Hein. Opération de débarbouillage du tireur. Ah ouh. Ça l'a tapé. Elle perd l'apéro ce soir, Océana. Mal tombé. Moins levé peut-être. Moins levé et mal tombé. Allez, essaye de jouer celle-là. Ouais. Allez. Il est tombé sur un caillou qui se baladait. Apparemment. Il y en a qui se baladent. Il y en a qui se baladent. Et oui. Mais la preuve. Allez. Il n'a pas fait exprès de jouer dessus, donc il a dû se balader au dernier moment. Ça va. Court, mais voilà. Après, elle a gagné, elle fait jouer. Ouais, du coup, on s'interroge du côté. Là, elle est là. Les Garonne. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se reprendre. Ça fait de dépasser la boule, c'est bien. Ouais. Avec Alexis à la roque. Il faut éviter celle de là. Alex, t'as pas peur de la boule, hein ?
Super bien. Bravo. C'est repris. Je pensais que c'était un point le plus épais là, avant de partir pourtant. Je vois pas ce que je lui fais du coup. Allez. Mais la Fabricas, lui, va jouer tranquillement. En face de la sienne. Ouais. Essayer de gagner le point aussi, des fois il a rencontré. Pourquoi pas en faire deux. Allez. De pousser ça, l'océan. Après, il peut envoyer un train, pousser la sienne, si qui pousserait celle de l'océan et rentrer trois. Ouais, mais après, c'est plein de cailloux partout, alors. Avant de tirer dans la donnée, ça, c'est risqué. Ça, c'est risqué. On s'est foutu en plein jeu. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas, des fois, un joueur de billard, monsieur Richefort? Occasionnellement. Occasionnellement. D'accord. Laurent Cosse, comment ça va, Laurent? Ça va très bien, messieurs, ça va. Ça se passe très très bien dans une très très belle ambiance avec des tribunes bien garnies, avec un public qui ne demande qu'à s'enflammer avec ses championnes et ses champions. Mais un terrain, comme vous l'avez dit, toujours aussi difficile. Vous les voyez, vous, les cailloux qui se baladent? Oui, vous les voyez, oui, bien, oui. Hein, tout à l'heure, j'étais obligé d'en éviter deux parce qu'ils se baladent d'une force. Ouais. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-Luc, c'est dangereux même. Je ne vois pas courte à la main en plus. Moquez-vous, moquez-vous. Hein, jamais. Frédéric Caz, il a joué à gauche avec. Avec un fer en premier coup, mais qui t'a joué, il aurait pu jouer d'autres côtés avec les fers en premier. Comme ça, il pouvait des fois rencontrer celle de l'océan. Il a choisi de jouer de l'autre côté. Là maintenant, il y en a un peu partout devant. Mais... alors elles peuvent gêner, mais il faudrait essayer de rentrer, faire quelque chose avec la dernière. Ça c'est bien. Bravo, bien. Il a failli donner une petite impulsion. Allez, tiens bien cette boule. Il joue sa partenaire, on va essayer de rentrer. Alors, mais c'est dur. Au pas de tir. Attention, sortez des casques. Bien tiré. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un strike dans la série de vent ou au point? Il lance à deux devant, il fait un double ciseau. On va regarder. Ça pourrait, hein. Quand on s'est placé, ça se pourrait. Par contre, si c'est la première devant, il ne gêne pas. Je vais jouer celle-ci, celle-ci-là et elle. Lesquelles, s'il vous plaît? Les trois plus loin. Parce que peut-être que ces deux palais sont plus près que la première. Oui. Parfait. On peut se planter. Hein. Attention, t'es. À ce moment-là, il n'y en a plus que deux à taper. 1m33,5 cm. Pour le moment, il y en a un qui rentre. Il est là. 1m21 cm. Et celle-là est encore plus près. Là, il est de noir. Il est de noir qui descend. Donc, il y en a deux à taper. Oui, mais sa partenaire en a deux. Oui. Allez, mets ça. Il va tirer laquelle? Celle qui est en face, le bouchon. Ouais, en premier. Il va tirer. Tu vas être trois en tapant. Tu vas quoi, Alex? Hein? Ben, je tire à trois. Ouais. Hein? Tu vas tirer? Je tire à trois. Sinon, ça ne sert à rien que tu tires. Allez. Ah, tu m'as fait peur. Ben oui. oui, il a raison. Toi, t'as pas attention parce qu'il y a la sienne qui est au fond de l'axe là-bas. Alex 0-4, il faudrait pas qu'il arrive à malheur. Bien tiré, hein, c'est bien tiré. Et là, la 3, maintenant, il faut pas toucher celle de devant. Allez, prends-la, prends l'arbre. Combien d'arbre je lui dis, là, ils ont rendu la main. Elle cherche Noah. Allez, une boule pour égaliser. Ou alors si tu. Ou alors si tu veux même là. Non mais là tu vois. Je le vois bien par là. Hauteur de boule. Ouais.
La tour de boule, ça fait loin, mais il faut prendre de la marge. L'arrêtement, c'était beau. Elle pousse derrière, c'est bien. Elle joue, elle a une boule de plus. Bien joué. Après de la marge, c'est bien joué. Et bien du coup, après de même, 4 partout. La réponse du berger à la bergère avec cette mène de 4 points pour les joueurs du Tarn-et-Garonne avec Céla et Messon-Dieu. Qui réalise à 4 partout face au Gers, Océane Martin et Frédéric Picasso. La troisième mène de cette demi-finale, 4-4. Alex va de suite au bouchon. Troisième mène, 4 partout dans cette demi-finale, doublette mixte des championnats de France, organisée par Montauban. Alex. Ils sont durs qui envoient le bouchon pas très loin, hein, encore. Ouais. Et sa partenaire, Alexia Larocque, qui va lancer cette troisième mène. Alex. Super, mais c'est prêt. On se pose pas de questions sur ce joli point. Frédéric Caz. Elle est partie à l'équerre. Ouais. On enlève les blancs. Parce qu'il me semble qu'il était droit quand même. Oui, oui. J'ai l'impression aussi. Là, allez, c'est pas là, celle-là. Je suis cool. Allez. Celle-là n'est pas droite. Pas droite pour lui. Eh bien. Chier. Il va falloir colmater. Ouais. Il y a juste à mettre le droit, j'y arrive pas. En plus, il y a pas de cadeau. Ah, ben ma pauvre. Rien. Hein? C'est quoi? C'est te mélanger par là. Hein? Bien, c'est te mélanger. Hein? Je vais essayer. Allez, aussi. C'est le moment. Donc, c'est le moment d'en bouchonner. Ah là 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 là. C'est pas loin. C'est pas facile de le gagner. En plus. Aïe. Et même s'il le gagne, ils vont être sous le feu. C'est une mène qui se présente pas très bien pour le Gers. Je pense qu'ils vont pas tarder à adopter votre tactique préférée. Là, c'est bien, bien mal engagé. Je vais retirer une bouchon, après on verra si je le manque. Au pire, t'en as une aussi. Et puis... Bah là, qu'est-ce que tu veux faire? Bouchon. Tu les mets, tu vas te faire arroser. Bonjour. Mets-tu au bouchon. Allez, vas-y. Allez, tombe dedans là. Allez. Ce serait une bonne idée de tomber dessus. Pas droit. On a deux solutions. Bon, c'est un Martin, c'est ou on tire au but, ou on pointe les deux. Mais... C'est ce que je ferais à leur place. Tu veux pas en tirer une, ton bouchon? De toute façon, que tu pointes au... C'est pareil, hein. Même si tu peux faire une balle de boule, tu vas manger... Si tu tombes dessus aussi... Hein? Ouais, je vais essayer. T'es capable, hein? Allez, aussi. Allez, t'es capable. Allez. Si elle veut soulever la foule, elle sait ce qu'il nous reste à faire. Faut
bien l'avoir hein, pour le sortir parce que. Un peu derrière. Et pas droit. Ça risque de coûter cher, ouais. C'est ouais. Moi, hein. S'engage pas bien les mains, alors c'est normal, hein. Bon, allez, je vais essayer de pointer la mienne. Essayer de la cacher. On verra bien. Je vais mettre par là. Je vais faire tirer au moins une fois, si tu peux. Oh là là, il n'y aura même pas besoin de tirer. Alors, si c'est 4, ça n'aurait pas fait un de 10. Comme le dit votre avis, hein, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Non, il ne faut pas la vendre. Mais ça aurait quand même coûté cher. Ah, quand même, la place. Hein. À moins de fuser, de rouler le bouchon et après, qu'il y ait des sommes dures qui manquent double ou triple. Ouais. Vous aimez bien les films de science-fiction. Je vois pas, ouais. Voilà. Ah, tiens, bah, tiens. Ça, là, c'est là, il avait pris le bouchon, là. Ouais. Il avait roulé. Bon, bah, ça fait... Ah, déjà, celui-là, il est pas, déjà. 4. Il y a un endroit qui fait comme une espèce de petite rigole, un peu à droite, là, ouais, un peu à droite de la boule. Je ne sais pas pourquoi elle a joué en face du but, parce qu'en plus ça a l'air propre. Il faut jouer à mettre à gauche comme elle a fait la main d'avant. Ouais, quand elle avait... Ouais. Ouais, quand elle avait pris de la marge. Puis elle revient. Là, elle rejoue face au but. Oh là là. Putain, c'est incroyable. Celui-là, il y est. Celui-là, il est peut-être, il est peut-être pas non plus. La première, elle est mal jouée. Mais la première, elle était comme ça. Ouais, mais là, c'est surtout qu'il faut éviter le champ de cailloux, là, parce qu'il y a tellement de place pour ajouter. Il faut éviter le champ de cailloux, jouer à mettre sur le côté droit de l'écran. Merde. Mais il y a beaucoup plus propre. Et puis, il y a surtout moins de risques, surtout. Merci. Allez, rattrape-moi, là. Allez, Maison. Il y a 2 points par terre. Hein. Non, l'arbitre, il y avait un petit centimètre d'écart. Merci Laurent pour cette précision. Oui, je suis là pour vous servir, monsieur. En parlant de ça, tiens, je boirais bien un café alors. Ça fera 2. Et on joue tout, alors, c'est diabolique, on joue toujours face au but. Allez, encore. Ça m'épate. Là, il a quand même pris un peu plus de marge. 5 et 4 qui font 9, ma bonne dame. 9 pour les Tarn-et-Garonnais et 4 pour les Gersois. Alors, il y a 4-0, 4 partout. 9-4. 9-9 9-9, 9-9. Je ne sais pas, mais ils ont décidé de ne pas retarder le championnat. Allez, maintenant, c'est pas grave. Si je dis ça, cette vitesse, on ne sera pas inquiété par la nuit. Quatrième mène. Alexis Larocque, au point. Bien joué. Ouais. Ça, c'est important, la première, après une mène comme ça, de bien commencer. Oui, ça ne les monte pas, c'est tout. Alors, Frédéric, ça les monte, allez. Il faut retrouver ses esprits et son talent. Ouais, je sais. La boule de Frédéric Cage est sortie des limites. C'est un électeur qui est resté. Allez. Ouais, oui. Alex.
Elle est devant. Elle est là. Elle est là. Donc, il se trouve dans quelques jours, elle ne soit plus là. Feu à volonté. Elle est plus là. Maintenant, il se perd ce palais-là, la maison de New York. Le bombardier en chef de la formation de Jean-Michel Puccini. Oh, c'est essayer de gagner encore. Allez. Au Masters. Oui, qui doit être au Masters, oui. Qui doit être ravi de voir que son tireur est en forme. On embrasse Jean-Michel. Qu'il se calme. Aïe, 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 aïe. Comme vous avez déjà vu la partie, vous oui. Saviez qu'il allait se faire. C'est ça. Et oui. Pensionnaires du Gers qui sont. Je tombais où? Pas au mieux. Ah ouais, voilà. Tombé dur après. Puisqu'on parle de ce beau département, on a une pensée pour. Mon neuf. Oui. La famille d'Aréus. Sans fait. Notre ami Jean-Pierre qui nous a quittés. Foutu encore. Bien trop tôt. Qui habitait à Biran. 9, 3 boules et ils en ont 4. Petite visite. Oui. C'était le chauffeur du car podium. Soit on tire le bouchon, soit je pointe la mienne. Et après, du coup, toi, t'en as plus qu'une pour tirer le bouchon. Je pointe la tienne. Hein. Je pointe la mienne. Oui, après, j'en aurai. Allez, on verra bien. On verra. J'en ai pas besoin de deux, ça veut dire. Là, il faut gagner, hein, parce que sinon, on va être obligé de repartir au but. On va bien jouer. Allez, Besson, tire bien celle-là, il va y aller aussi. Voilà, bien tiré. T'as plus qu'un. C'est ça ouais, je pense qu'il va y aller, parce que les points, en plus, il peut les perdre. Jason Durk, 6 sur 8 au tir, 3 sur 3 au point, c'était la veine précédente. Il avait bien pointé, bien ajouté. Alors, Frédéric Caz. Si tu tires à la boule, ça fait quoi, Frédéric? Dans 3 boules encore. Non, c'est pas une idée. Je sais pas si tu tapes deux fois. Ah ouais, alors faut taper les deux. Attends, oui. Si tu tapes deux fois. Ouais, mon problème c'est pareil. Mais il faut cadrer, puis après on risque de perdre 3 quand même s'il ne fait pas de carreau. Tu crois? Ah oui. Si je tire à la boule. Je sais pas, si tu tapes deux fois, tu perds pas. Ah ouais, mais il monte à 12, ça fait 12 à 4. C'est pareil. Bon, écoute, comme tu veux alors. Allez. C'est lui qui voyait. Allez. C'est vraiment que s'il fait carreau dans la première et qu'il casse les deux, c'est beau, mais c'est pas plus facile en fait, que de tomber sur le but. Oh, il était droit, il est parti encore à l'équerre, celle-là, il est un poil court, hein, mais. Ah ouais, là, ils ont dépassé un peu le temps. Le temps réglementaire, parce que même l'arbitre vous l'a fait. Pas de soucis. Je mets carton jaune pour le temps réglementaire. Pas de soucis. Sur le bot, ce qui ne fait. Appliquer le règlement, avertissement pour dépassement de temps. Et puis en plus, les joueurs en savent, puisqu'ils disent pas de soucis, mais. Mais ça fait rien. Et Akira, là, quand même. Bien joué. Eh bien, c'est tapé gagné. Pour Mason Durk. Allez, Mason, pousse la boule. Parce qu'avec la place qu'il y a, on peut imaginer que. Vous croyez que même si moi je vais jeter les dernières boules, parce que là il n'y a plus qu'à les jeter. Je prends en compte le fait que c'est Alexia qui a les boules et pas vous, hein, je vous rassure. Elle est un peu court et un mauvais contre. Hein. Ouais, c'est pas. Carreau gagné. Alex, allez, sous les hurrahs de la foule. Ces boules de gagne dans un championnat de France, c'est jamais les mêmes que les autres. Une grosse pression. Alexia Larocque. Pas droit. Ça va doucement, tranquille.
bien tiré. Le Gers est toujours en vie. Oh. Oui. Le Gers a eu chaud, mais le Gers est en vie. Il y a la possibilité de conclure un peu. Un peu chaud quand même. 11-4 pour Messendurk et Alexis Alaroc. Allez, on a un grand succès. On a un grand succès. Encore. C'est le but de Messendurk. Alex. Messendurk, oui, il doit s'en repérer. Frédéric Caza, la distance ne le gêne pas. Bien au contraire, manifestement. Donc en fait, oui, mais après un truc, plus c'est loin, plus il faut venir près, mais plus c'est près, plus c'est bien de venir près aussi en fait. Ça dépend. Ça dépasse. Ah putain. Alors c'est frappé pour Frédéric Kahn. 3 sur 7 au tir. Ouais, loin de sa moyenne habituelle, Frédéric Kahn. Ouais, oui, oui. Là, je vois pas trop de données propres. Là, je vois pas trop de données propres. Un peu plus haut, si tu veux. À ton pied, là. Là ouais. T'as une donnée, là. Ok. Allez. Ah ouais, mais... Une donnée, il y a pas trop de cailloux qui passent. C'est pas tout à fait face au bouchon, là. Hein. Qui se balade. Qui se balade. Oui, mais si c'est, 50, si c'est 50 sur le côté, c'est pas bien grave. Bien, bien. Ça. Parfait. Allez, Messendurk. Hop, voilà, ça c'est fait. Tu fais ça tout à l'heure, on a gagné aussi. Pour la route, tu te marches en rien. C'est une blague. Je suis Félise. Ah, mon cœur, allez. Il est en train de se dire pourquoi j'ai pas tiré ça la main d'avant, ça serait fini. Casquette. Bien tiré. Comment ça allait un petit peu mieux pour Frédéric Caz, mais c'est pas encore ça. Non, il a l'air un peu désabusé. Allez. C'est de le refaire tirer si tu peux. Ils sont durs qu'il y a des gens filés en maillot tricolore. En doublette. Avec Angie Salin. Ça, c'est bien. Bien joué. Ouais. Et également un maillot en doublette mixte. Wow. En 2010 avec Angélique Colombé. J'avais zappé ça. Merci. Merci monsieur la Bible. On va pas t'en sortir. Hein. Docteur Cos, oula le but. On va aller marquer le frappe. Il n'est pas sorti apparemment. Tu joues pas bien, t'as pas la chance. Hein. Ouais. Ça c'est comme ça. Il y a des jours où, comme ça, ça veut sourire puisque. Allez, mais c'est le bonheur de le gagner. On toujours le il y a un peu plus loin maintenant. Hein? Allez, aussi, t'es capable. Hein. Ouais, mais bon. Une donnée là. De toute façon, moi je vois pas de données là. Donc... Allez, essaie de le gagner. Allez, Océ. Océane Martin. Ce serait bien de le gagner. Ouais. Ben, c'est fait. Bravo. Bravo. Pas sorti d'affaire pour autant, mais... Bravo. Allez, encore.
grosse partie ramasser des 7 heures que venir prêt. Tire. Ça, mais là, il y a un peu de sable. Allez, fais un effort. Pas une surprise, on sait de quoi il est capable. Allez. Tranquille là. Encore une boule de gagne. Ah, tu as poussé, t'as la deux. C'est pareil. Allez, t'as la deux. Allez, c'est pareil, Alex, il y en avait deux. Allez, pousse là. C'est mieux. Ouais, c'est fait. C'est fait, c'est frappé, c'est gagné. Et voilà. Messendurk, Alexia Larocque, représentant le Tarn-et-Garonne, qui se qualifie pour la finale des championnats de France. Doublette mixte aux dépens des Gersois, Océane Martin et Frédéric Caz. Score sans appel, 13 à 4.